l'écran de Gianni Lawal et Jesse Bégarin qui va provoquer la faute, le 1-1. Ou le tir difficile à Yohan Makoundou. Dominique Artis serré de près par Bégarin. Il n'y a pas d'espace pour Artis qui va quand même réussir à s'infiltrer et à aller marquer. C'est d'être comme ça et de rester agressif. D'ailleurs, chercher des paniers à l'intérieur, que ce soit pour les intérieurs ou les... Face à Jean-Philippe Daly, la feinte de Makoundou qui va aller marquer. Non ! Et le rebond encore pour Anosike. Ah, il pose des problèmes, Anosike, dans ce début de match. Les Choletais récupèrent un nouveau rebond offensif et Boris Dalot, dos au panier, qui réussit. Oh, il a été contré. Magnifique contre de Jean-Philippe Daly qui est venu en renfort. Pour continuer comme ça, les agressés, ils ont du mal à défendre sur toutes les attaques à l'intérieur. Il faut en profiter. 7 secondes de possession sur cette remise en jeu de TJ Campbell. On n'était pas loin de la perte de balle côté Choletais et Kennedy Mix qui va encore tirer à 3 points parce qu'on est au bout de la possession. Et ça fait qu'il loge pour gaspille des ballons et de belles opportunités. En revanche, en défense, les Choletais sont présents avec un nouveau ballon volé par Peter Tjok. Et il a fallu les Champenois. Robineau en défense sur Jesse Bégarin qui dégaine à 3 points. Oh, le tir, gros shoot réussi par Jesse Bégarin. L'un des meilleurs passeurs du championnat de Betclic Elite. Jesse Bégarin, la superbe passe justement. Campbell pour Anosike. Et la faute, non, elle n'est pas sifflée. Anosike tout surpris finalement qui tire et qui manque. Et la dunk de Yohan Makoundou. Moissonné, un nouveau rebond. Et claquer un dunk qui fait du bien au Choletais. Plus 4 pour Cholet Basket. Goudoucina pour Grantham à 3 points. Deuxième panier primé. Et vous parliez de Enzo Goudoucina qui a manqué son tir à 3 points. Et la passe sur le joli pick and roll avec Peter Tjok. Et la passe de Dominique Artis, me semble-t-il, au tout départ. Parce qu'ils ont beaucoup de fautes. Donc chaque balle perdue, ça peut être une contre-attaque. Ouh, la donc, superbe passe de Boris Dalot pour Dominique Artis. On retrouve la maladresse du côté de Chalon-Reims. Plus rien ne rentre là depuis quelques instants. La passe de Kennedy Mix pour Dalot à 3 points. C'est dedans. Bon. Et encore un stop de la défense Choletaise. Une dernière possession sur la contre-attaque avec Darin Govens qui ajoute 2 points pour Cholet Basket qui vire plus 5 pour Cholet Basket avec un ultime panier. Face à Dominique Artis, l'écran de Nils Sacco. Goudoucina qui lui donne le ballon et il est passé devant et le 1-1 pour Nils Sacco. La faute commise par Makoundou me semble-t-il, c'est la troisième. Alors on va voir si c'est Boris Dalot, c'est sa première. Et c'est donc Enzo Goudoucina qui est à la mène pour ce début de deuxième période pour Chalon-Reims. Sa perte de balle de Jesse Bégarin et la possession pour Darin Govens qui va marquer en lay-up. Trois fautes chacun. Et Darin Govens qui réussit à marquer. D'épaulé Enzo Goudoucina à la main. Oh, la perte de balle de Goudoucina. Et ça, c'est une action rapide, une action de jeu rapide pardon, pour Cholet Basket qui a été mal exploitée finalement par Dominique Artis. En tout cas, c'est le premier joueur à 3 fautes côté Choletais, Yohan Makoundou. Et le tir à 3 points de Saloumou pour Chalon-Reims qui fait mouche. Non, c'est Coleman pour Boris Dalot. La percussion de Dalot qui ressort finalement pour Makoundou à 3 points. Oh, c'est dedans! Makoundou qui répond à Coleman. Bégarin à la main. Oh, la belle défense de Darin Govens. Et les 2 points à venir avec le dunk de Yohan Makoundou. Un temps mort, la grosse séquence défensive des Choletais avec de l'agressivité qui permet de gagner des ballons et de développer pour les Choletais. Oh, il y est allé de bon cœur là. Dante Grantham et la défense choletaise qui est montée d'un cran et le jeu rapide avec des munitions qui se multiplient pour les Choletais. Et plus 10 maintenant, le plus gros écart de ce match. Surveillé par Hugo Robineau, le bel écran de Jean-Philippe Daly. Coleman qui va provoquer, il a perdu le ballon. Et Kennedy Mix qui préfère temporiser à 2 points à distance. Mais là en revanche... C'est un magnifique alley-oop. Quelle passe de Jesse Bégarin. Coleman à la conclusion. Regardez cette passe de Bégarin dans le dos de la défense Choletais. 7 points d'écart désormais. Jesse Bégarin qui distribue et le dunk de Dante Grantham relance complètement
et problème de communication en défense côté Scholtais. Oui, c'est ce qu'on disait depuis le début. Grantham, Gulusina, Grantham à nouveau. Oh, c'est bien joué, Peter Joe qui l'avait tout vu. Il a coupé la ligne de passe, oh, il n'y a pas faute et il y a deux points en revanche. Ferme l'accès au panier à Gulusina et les Scholtais qui continuent de mettre de l'intensité en défense. Et le tir à trois points au buzzer. Il faut qu'il tente des choses. Et la possession pour Scholtais Basket avec Dominique Artis qui a trouvé Peter Joe en tête de raquette. Le 1-1. Oh, que ça fait du bien aux Scholtais, idéalement positionné en tête de raquette, bien servi par Dominique Artis. Dominique Artis qui a vu l'écran de Anosike. Dominique Artis qui va prendre un tir de loin, deux points, et ça rentre avec Dalot en défense sur Coleman qui est pris, la belle défense de Dalot. Gulusina qui va provoquer et qui est contré par Anosike, et la contre-attaque avec Peter Joe, pour ne citer que ces deux-là. Attention à ce tir à 3 points de Dante Grantham, c'est manqué. Le rebond pour Anosike. Et encore du jeu rapide. Et encore Peter Tchouk au bout de cette contre-attaque. Et Scholtais qui est en train de prendre une option sur la victoire. Du temps sur cette position pour les Scholtais avec Dominique Artis qui va provoquer et qui va marquer 2 points. Les Champenois qui sont débordés en défense. Main gauche, voilà, mais ça ressort. Et là, voilà, prends son, et là, et là, maintenant l'enjeu, ça va être le point average, parce que ça ne fait plus guère de doute. Scholtais est parti pour s'imposer, même si c'est pas fini. Peter Jok à 3 points, un 18e point, 20e point même pour Peter Jok sur ce tir primé. Ganila Wall, mais encore un stop Scholtais. Quelle séquence défensive des Scholtais qui ne laisse plus rien passer et qui marque systématiquement sur jeu rapide. Boris Dalot qui ajoute. C'est sûr, c'est le point average maintenant qui est important. Jesse Bégarin pour Ganila Wall qui provoque. Où il est pris. Il est pris par Boris Dalot. Doublement ce soir, à la fois le match et le point average par rapport à un adversaire direct dans la course au maintien. Scholtais qui prend une option sur le maintien avec Dominique Artis. Côté Scholtais avec Nathan de Souza qui va faire son retour à la place de Dominique Artis pour un tir à 3 points qui ne rentre pas. Chalorins qui est complètement resté bloqué en attaque dans cette fin de rencontre et qui ne marque plus rien. Encore un tir à 3 points. Cette fois, ça rentre pour Enzo Goudou. Possession du match pour Scholtais Basket avec Nathan de Souza qui prend un tir à 3 points. Mais qui manque son tir, c'est quand même transformé avec un rebond offensif pour Scholtais Basket. Et la dernière récupération du ballon pour Scholtais Basket qui ne va pas jouer cette ultime attaque. Même si Nathan de Souza pour le show tente du milieu du terrain, il était tout près de réussir. Nathan de Souza